Benvenuti in Piemonte. Regione Piemonte ha fortemente voluto MITO, che è integrazione di dati e informazioni, valorizzazione e promozione del territorio dal Monte Bianco alla Costa Azzurra, una vera palestra a cielo aperto. Sua grande vetrina sarà l'appuntamento annuale del Festival dell'Outdoor. Noi siamo inseriti in due progetti di PITEM Outdoor. Siamo capofila del progetto Offerta Integrata Outdoor Qualità e siamo anche partner del progetto Outdoor Data. L'obiettivo del progetto di cui noi siamo capofila è quello di organizzare e offrire delle proposte integrate dove le attività sportive vengono proposte senza confini geografici, unitamente con attività culturali, enogastronomiche e artigianali. Il metodo è governance comune tra i partner con scambio di best practices, di esperienze e scambio di dati. Benvenuti in Valle d'Aosta. Che la Valle d'Aosta sia una destinazione outdoor non servono parole per dirlo, bastano gli occhi per capirlo. La Valle d'Aosta è partner di tutti e quattro i progetti di PITEM MITO, un progetto che si propone di sviluppare l'integrazione tra la nostra offerta outdoor, l'offerta culturale e l'offerta enoagroalimentare della regione, attraverso una formazione dei nostri operatori, degli interventi di infrastruttura sulla rete escursionistica e la rete ciclabile che li mette in connessione tra loro e attraverso l'implementazione dell'informazione turistica outdoor. Benvenuti in Liguria, da Italian Riviera. Intendiamo strutturare e rafforzare un'offerta turistica integrata trasfrontaliera per il prodotto outdoor con la creazione della rete delle case dell'outdoor che saranno punti di informazione turistico-sportiva e realizzare eventi legati al benessere, allo sport, associati all'animazione del territorio e alla promozione delle risorse culturali ed enogastronomiche. Le linee guida del progetto sono tre: forma condivisa a livello trasfrontaliero, confronto con gli stakeholder locali e valorizzazione delle risorse territoriali. Bonjour et bienvenue au bord du lac de Bourget dans cette magnifique destination d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Alors notre rôle, c'est de mettre en place des plans de développement des compétences pour les acteurs du tourisme sur 5 destinations dans le département de la Savoie où la pratique de l'outdoor est vraiment importante. Alors les 3 mots-clés du projet, c'est expérience touristique, développement des compétences et mise en réseau des acteurs. Bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre contribution au projet est de piloter 2 études. La première sur le réchauffement climatique et son impact sur les activités de pleine nature. La seconde pour cerner les attentes, comportements et profils des clientèles itinérantes. Bonjour, bienvenue à Nice. Dans le cadre du PITEM, je suis fière de pouvoir vous présenter le projet 2, Outdoor Data. C'est un projet très ambitieux de gouvernance entre nos deux pays sur la coopération transfrontalière afin d'échanger au niveau des systèmes de données, des bases de données numériques, afin de faciliter nos échanges pour une meilleure prise en charge touristique sur nos territoires, pour valoriser le tourisme en plein air et l'écotourisme. Bienvenue dans les Alpes-Maritimes. Pour moi, les 3 mots-clés de ce projet résident dans territoire, expérience et reproductible. Tout d'abord, territoire parce qu'il va valoriser l'ensemble des sites magnifiques et dédiés à la pratique des sports outdoor. Ensuite, expérience parce que les formats seront des formats novateurs permettant aux consommateurs de venir pouvoir chercher une réelle expérience de terrain. Et enfin, reproductible, puisque ce festival sera reconduit d'année en année et en 2021, il sera réalisé à Turin. Bienvenue dans les Hautes-Alpes. Nous avons projeté de valoriser la Via Alta, itinéraire pédestre transfrontalier, par la réhabilitation d'une étape phare hautement fréquentée, le site de Boscodon-Morgon. Il s'agira de qualifier le site en améliorant le réseau de sentiers, l'aménagement du pic du Morgon, la signalétique d'accueil et directionnelle, mais aussi les accès et les services.
bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence et plus particulièrement dans la vallée de l'Ubaye. Alors le projet phare pour notre département, c'est la réalisation d'un sentier de grande randonnée que l'on appelle la Routeau. Et ce sentier de grande randonnée est en liaison avec le pastoralisme et la transhumance, qui est une tradition des montagnes des Alpes du Sud. Et donc le but est de non seulement de réaliser ce sentier de grande randonnée, mais en même temps de créer tout autour un ensemble de festivités, d'événements occasionnels pour fêter à la fois la route et à la fois l'économie qu'elle génère.